de porter le masque à chaque fois, et maintenant j'ai des boutons partout sur le menton, c'est horrible. En plus, ça, ils font mal. Toi aussi, t'as la même chose. Rassure-moi, je suis pas toute seule. C'est moche en plus, ça fait pas beau. Non, touche pas. C'est plus fort que moi. Il y a des petits rayons de soleil qui apparaissent comme ça, là, c'est cool, ça. J'aurais fait ma vidéo hier, ça aurait été tout un autre sketch, hein. On voyait rien du tout. C'était horrible, tellement qu'il faisait pas beau. Bon. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te montrer mes créations du mois de septembre. Oui, c'est ça. À chaque fois, je me perds, mais oui, c'est septembre. Donc, les créations du mois précédent. Voilà. Alors, comme d'habitude, tous les bijoux que je vais te présenter là, dans cette vidéo-là seront déjà disponibles sur ma boutique. Et puis, bah voilà, fais-toi plaisir ou pas, fais ce que tu veux. Donc, ce mois-ci, le mois de septembre, j'ai fait énormément de créations. J'ai pas battu mes records. Quand même pas, mais j'en ai fait beaucoup. Mais j'ai surtout fait des petites collections. Du coup, il y a plusieurs bijoux qui ont le même aspect. Si tu vois ce que je veux dire, tu comprendras après de toute façon, c'est pas grave. Donc, ouais, j'ai fait plusieurs petites collections. En fait, non, il y en a que deux. Trois. Ouais, bref, laisse tomber. Tu verras bien. Voilà. Et comme tous les mois, enfin non, le mois dernier, j'ai pas pu le faire parce que c'était que des petites mademoiselles. Mais ce mois-ci, je me suis encore amusée à poncer tous les bijoux à la main. Ça en est ras le cul de ça. Il faut vraiment que j'économise pour m'acheter une Dremel. Mais là, j'ai été voir sur les sites il y a pas longtemps et ils en font plus. En tout cas, moi personnellement, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de Dremel. Alors, faut que je continue de poncer à la main. Mais c'est chiant, quoi. Putain, j'ai les mains dans un triste état après, laisse tomber, quoi. J'ai les crampes surtout. Pourtant, je bois beaucoup d'eau. Hein. Merde. Il y a que 4 bijoux ouais, où j'ai pas eu besoin de poncer. Parce que si je ponçais, ça perdait tout le relief. Ouais, il n'y a que 4 bijoux sur je sais pas combien. Presque une trentaine, je dirais. Non. Bah oui, 30. Pile poil 30. Ouais, donc j'ai une trentaine de créations à te montrer dans cette vidéo. Donc on va essayer de faire vite. Et on va pas trop traîner. Voilà. Et dans les 30 bijoux là que je vais te présenter, la plupart, une bonne moitié, même ouais, plus qu'une bonne moitié, ont été réalisés en tuto. Parce que j'avais plus de tutos à te proposer du coup. Et bon, au mois de septembre, j'ai carburé et j'ai fait beaucoup de tutos. Et ma caméra a pris cher. Déjà qu'elle était en triste état, mais alors là, c'est encore pire. Ça aussi, il faut que j'économise pour en acheter une autre. Parce qu'elle, elle a presque 15 ans, donc... elle commence à faire la tronche, quoi. Il y a deux, non, trois même. Je crois qu'il y a trois créations que je ne peux pas te présenter parce qu'elles doivent passer par la case résine. Donc tu les verras dans une prochaine vidéo, mais ça, on s'en fout, ce n'est qu'un petit détail. Oh, petite apostrophe. Par hasard, est-ce que tu serais sur TikTok et est-ce que tu me suivrais? Parce que je suis extrêmement choquée, là, depuis peu, je m'approche des 1000 abonnés. Alors que j'ai commencé mon TikTok, là, une chaîne, on appelle ça une chaîne? Non? Bon, mon compte TikTok, tout simplement. Il n'y a que quelques semaines, quelques mois, ça devait être au mois de juin, pendant le confinement. Enfin non, confinement, je sais plus, je m'embrouille toute seule. Mais bref, ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur TikTok et j'arrive presque aux 1000 abonnés. Alors que sur Facebook, ça fait au moins 5 ans que je suis dessus, sur ma page création, et j'arrive même pas à atteindre les 600, quoi. Je galère à mort. Pourtant, j'avais promis un concours quand j'aurai les 600 abonnés sur Facebook. Mais ça a pas l'air de motiver plus que ça. Alors moi, ça me choque, j'arrive sur TikTok et pouf, allez hop, 1000 abonnés, bim. Hein? J'ai pas compris. Je cours pas du tout après les abonnés, mais ça m'a choqué que ça monte aussi vite. Alors que mes filles, elles sont dessus depuis l'année dernière, et puis bah, je les ai dépassées comme ça. Alors, moi, pas comprendre. Ça fait bizarre. Même là, sur YouTube, hein, ça stagne. Ça bouge pas depuis un petit moment. Après, comprendra qui pourra. À mon avis, c'est comme tout. Hein. Ça monte super vite, mais ça peut redescendre aussi très très vite. Donc je me fais pas d'illusions là-dessus. Hein. De toute façon, je m'en fous. Comme je dis, je cours pas après les abonnés. Moi, je suis là pour le partage. Ceux qui sont là, tant mieux. Ceux qui sont pas là, tant pis. M'en fous. Même quand tu reçois des gentils commentaires, ça fait très très chaud au cœur. Ça, je dis pas le contraire. Ça, j'aime bien.
J'ai fait les derniers montages là tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo. Du coup, j'ai encore plein de superglue sur les doigts. C'est horrible, c'est chiant. C'est une galère à enlever la superglue. Bref, voilà. Et pour la plupart, ouais, il y en a que 3, je crois. Moi, je crois qu'il y en a que 3. Il y a que 3 colliers qui n'ont pas la paire de boucles d'oreilles assorties qui est offerte en cadeau. Parce que maintenant, c'est d'office. À chaque fois que je réalise un bijou, et bien à chaque fois, il y a la petite paire de boucles d'oreilles assorties qui est offerte en cadeau. C'est une obligation. C'est comme ça que ça marche chez moi. Voilà, ça fonctionne. On s'en fout, c'est pareil. Et là, il n'y en a que 3, mais je peux y remédier très facilement, donc c'est pas un problème. Donc j'arrête de parler et je te montre tout de suite les créations du mois de septembre. Et puis bah voilà, je te balance tout en pleine tête et on se retrouve à la fin. Voilà, je me suis fait plaisir ce mois-ci et je me suis fait 2 petits bijoux. Sauf que je les aime pas, faut que je les refasse parce que ça me convient pas du tout. J'adore les plumes, j'ai une grande passion pour les plumes, les papillons et les fées. J'adore ça, tout ce qui est dans cet univers-là. Et du coup j'ai voulu me faire un collier. Mais bah, je trouve que ça va pas du tout ensemble. Parce que je voulais des plumes dans un style un peu bohème, ethnique, quelque chose comme ça. Mais ça y va pas. Ça me plaît pas. Donc j'avais réalisé ce collier là. Et une petite barrette. Quand je fais mes chignons, j'aime bien. Parce que après ça fait vide. Donc je voulais faire une petite barrette, mais. Mais je crois que non. Faut que je le refasse, ça me plaît pas. T'es d'accord avec moi, toi? C'est nul, hein? Ouais, faut que je refasse ça. Mais voilà. Bref, c'était juste une petite apostrophe. Donc il y a déjà pas mal de temps, je crois que c'était il y a 2 ans même exactement, j'avais fait le tuto d'une canne coquelicot. Et quand je suis retombée dessus, bah, j'ai dit, bah en fait j'aime pas du tout. Alors j'ai voulu refaire le tuto de la canne coquelicot. Et voici quelques petits bijoux que j'ai réalisés avec ma canne coquelicot. Donc j'ai un bijou pour les foulards, un bronze, il est réversible recto verso. J'ai aussi un petit bijou pour les sacs à main, pour décorer les petits sacs à main. Une jolie petite perle coquelicot, avec plein de petites choses avec. Collier. Donc justement c'est eux qui n'ont pas la petite paire de boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau, mais je vais y remédier très rapidement parce qu'il me reste la canne coquelicot. Alors je vais pouvoir faire des petites boucles d'oreilles pour aller avec tout ça. Voilà, c'est les boucles d'oreilles, je les mets tout le temps avec les colliers, pas avec les autres. Les bijoux pour foulard ou les bijoux pour les sacs à main. Mais ça aussi je peux y remédier. Si on reste dans les fleurs, et bien j'ai fait une autre petite fleur en canne, c'est une fleur de pensée. Voilà, quand tu regardes comme ça sur le bijou, ça se voit pas spécialement parce que j'ai en fait, pour ces 2 bijoux là, j'ai récupéré les restes de la canne, tous les petits morceaux d'à côté, pour faire ces 2 petits bijoux là. Finalement, ma canne fleur de pensée, je m'en suis pas encore servie réellement. Là, je me suis juste servi des petits restes pour réaliser ces 2 colliers là, avec les boucles d'oreilles assorties, offertes en cadeau. Voilà! Que j'ai associé aussi avec une canne papillon que j'ai faite il y a très longtemps et que j'ai faite en tuto aussi. Donc elle est disponible sur ma seconde chaîne YouTube. Ensuite j'ai réalisé... Ensuite j'ai réalisé un effet miel. Une autre version de ceux que j'avais présenté jusqu'ici. Bon c'est quasiment pareil, hein, il y a juste un petit truc qui change. Bref, du coup j'ai réalisé ce petit collier. Pour nos amis les abeilles. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas encore la petite paire de boucles d'oreilles assorties qui est offerte en cadeau, mais ça va être vite remédié. Au début, quand j'ai fait le montage de ce collier-là, ça me faisait penser à des petites paraboles. Alors ça, j'en fais extrêmement très rarement. C'est très très rare quand je fais de la gourmandise, mais là, j'ai voulu faire des petits muffins, cupcakes, que j'ai enfermés dans des fioles. Et je sais pas si ça va se voir, mais en fait la base du cupcake c'est réalisé à partir d'un marbré. Donc du coup j'ai réalisé un bijou pour les foulards et un petit sautoir.
Et pour le sautoir, eh bien, j'ai la paire de boucles d'oreilles assorties qui est offerte en cadeau. Pour le bijou pour foulard, j'en ai pas encore, mais ça va vite être remédié. Que celui-ci qui fait un effet militaire, camouflage, tenue de camouflage. Enfin, c'est parce que c'est les couleurs que j'ai choisies. Si j'avais choisi d'autres couleurs, ça aurait fait un autre rendu. Mais là, vu que j'ai choisi des couleurs comme ça, ouais, ça fait un peu effet camouflage. Voilà, bref, j'ai ce petit collier-là avec la paire de boucles d'oreilles assorties. Offerte en cadeau. C'est toujours la même chanson. Ensuite, j'ai fait un petit bijou tout en losange. Bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et comme d'habitude, avec une petite paire de boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Et ce petit bijou-là, eh bien, c'est avec les restes du bijou losange. J'ai fait un boulgui-boulgui avec tous les restes et puis ça m'a fait un petit marbré comme ça. Donc voilà, ça c'est avec les restes de mon losange. Et j'adore. Ensuite, les trois bijoux suivants, c'est avec l'esprit mosaïque. Voilà, j'ai voulu faire trois styles différents avec l'effet mosaïque. Et comme à chaque fois, il y a la petite paire de boucles d'oreilles. J'ai babouillé. Oh là là, c'est bon, pas si j'en ai marre de moi. La petite paire de boucles d'oreilles assorties offerte en cadeau. Voilà, tout simplement. Pour les trois bijoux suivants, je me suis amusée avec les encres alcool, entre autres, parce que ça fait juste partie d'une partie du bijou. Enfin bref, voilà, j'en ai un dans les tons violets, un dans les tons dorés et un dans les tons bleu-vert. Et à chaque fois, la petite paire de boucles d'oreilles assorties offerte en cadeau. Ensuite, pour ce grand bijou, les très grands, très imposants, ça change de d'habitude, eh bien je me suis amusée avec la feuille d'or. J'ai fait plein de petits tests avec la feuille d'or. Et j'ai tout réuni sur un seul et même bijou. Parce que je trouvais ça sympa, ça change. Voilà. Et j'ai une petite paire de boucles d'oreilles assorties dépareillées, offertes en cadeau. Thank you.
Et avec les restes de tous ces petits bijoux-là, j'ai en effet un bourgi-bourga. Et j'ai réalisé ce petit collier. Et cette fois-ci, c'est un bracelet qui est offert en cadeau. Avec le reste de tous ces bijoux là, et eh bien j'ai réalisé une petite toupie. Voilà, tout simplement. Parce que moi j'aime pas le gâchis, je récupère à chaque fois les restes pour faire des bijoux avec. Je déteste le gâchis, alors je fais du mieux que je peux pour utiliser tout ce qui me reste. Alors lui par contre, il a pas encore de petite paire de boucles d'oreilles, mais ça va vite arriver. Comme je le dis tout à l'heure, ça va vite être remédié. Donc pour la collection suivante, et eh bien je me suis amusée à faire plein de petits bijoux rayés. Plein de petites rayures dans tous les sens, dans les tons roses. Et à chaque fois, eh bien, il y a la petite paire de boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. De bijoux et c'était une collection spéciale Burberry. J'adore cette marque. Je l'adore. Moi, si c'est pas du tout dans mes moyens, j'ai jamais rien pu m'acheter dans cette marque-là, à part du parfum. J'adore le parfum aussi Burberry. Bref, ouais, j'adore cette marque-là. Je trouve ça super sympa. Et du coup, j'ai voulu faire des bijoux imitation Burberry, tout simplement. Donc, je vais commencer avec ce petit bracelet qui a une paire de boucles d'oreilles assorties et qui est offerte en cadeau. Ensuite, j'ai un petit camé. Pareil, la petite paire de... J'arrive même plus à le dire à force de le répéter tout le temps. La petite paire de boucles d'oreilles assorties offerte en cadeau. J'ai également deux plastrons. Donc, il y en a un avec un effet dentelle et l'autre avec un effet cuir. Et à chaque fois, les paires de boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. De tout ça, avec tous les restes, et eh bien j'ai fait une énorme toupie. J'ai fait une grosse toupie. Et elle aussi, elle a sa paire de boucles d'oreilles assorties offerte en cadeau, et la paire de boucles d'oreilles, c'est avec vraiment tous les restes des restes des restes. Voilà, voilà. J'ai également une petite perle en stand-by. Enfin, une petite, tout est relatif. J'ai réalisé une perle Burberry, mais en perle, ça donne pas du tout pareil. Donc pour l'instant, celle-là, elle est en stand-by, je sais pas ce que je vais en faire. Et donc j'ai une autre petite perle qui est en stand-by, c'est une petite perle violette, comme ça, c'est avec les restes d'un bijou qui date d'il y a très longtemps. J'avais gardé une petite plaque de côté, je sais pas quoi en faire, et j'en ai fait une perle. Et du coup, cette perle-là, pour l'instant, bah, c'est pareil, je ne sais pas quoi en faire, donc pour l'instant, elle reste dans le tiroir. Voilà. J'ai également réalisé des petits boutons sur le thème de l'automne, parce qu'une certaine personne me l'avait demandé. N'est-ce pas, Fanny? Donc voilà, je me suis amusée à réaliser plein de petits boutons, rien que pour elle. Et
donc voilà, j'en ai fini avec les créations du mois de septembre. J'ai fait tout le tour de tous les bijoux que j'ai fait. Et il y en avait beaucoup, comme tu as pu le voir. Voilà. Donc comme je l'ai dit, la plupart des bijoux que tu as vus là, je les ai réalisés en tuto. La plupart, pas tous, mais une bonne partie. Donc tu verras ça dans les semaines à suivre. Que ce soit sur cette chaîne-là ou sur la seconde chaîne YouTube. Bref, blabla, 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 blabla. Bla. Voilà. Donc ça y est, j'ai tout fini, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc il va être temps de couper court à cette vidéo. Donc j'espère quand même qu'elle t'aura plu, malgré ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des longues vidéos comme ça, des longues. Mais j'espère quand même que ça t'aura plu. Tu me dis tout ce qui te passe par la tête en commentaire, comme d'habitude. Et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs, comme d'habitude. Même si je suis longue à la détente, j'avoue. Je finis toujours par le faire parce que c'est la moindre des choses. Si tu prends du temps pour venir me parler, la moindre des choses, c'est que je te réponde, non? Sinon, c'est un manque de respect. Moi, ça me... Les gens qui ne me répondent pas aux commentaires, pour moi, c'est irrespectueux. Bref, après, je peux comprendre qu'il y en a qui ont énormément de commentaires, ce qui n'est pas mon cas, donc pour moi, ça va. Mais même moi, j'ai du mal à y répondre. Je prends du temps, mais je le fais quand même. Bon, bref, on s'en fout. Laisse tomber. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Bah de toute façon j'avais fait le tour, j'avais plus rien à dire. Si jamais tu as des idées de tutos, si tu veux que je te fasse des tutos, et bah, tu me le dis, et j'essaierai de le faire avec le plus grand des plaisirs. Et si tu veux des bijoux, pas forcément des tutos, mais si tu recherches des bijoux précis et que je peux le faire, et bah tu me le dis, et je le ferai si je peux, parce que je suis pas une professionnelle, hein. Mais si je peux le faire, ouais, je le fais avec plaisir, y a pas de problème. Oh c'est tout. C'est tout tout, c'est tout tout. Alors moi je t'ai fait tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!